I'm every little Christmas. Hey, c'est Maëlle, comment allez-vous mes chers abonnés? Yes, ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo réactionnelle de cette nuit du 31 au 1er janvier. Nous passons bientôt en 2022. Et pour l'occasion, j'avais tout simplement envie de vous faire une spéciale vidéo. Comme vous le savez, j'aime énormément le groupe coréen La Poème, dont j'ai réagi il y a pas si longtemps que ça à leur dernière sortie, leur dernière MV. Je pense que le titre c'était Sunshine. Et je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de trouver 4 performances pour faire une quadruple vidéo à ce groupe que j'affectionne autant et vous l'offrir pour cette nouvelle année. Et c'est parti, donc là la première performance se passe sur l'émission, je sais pas trop vous dire, mais je sais que ça se passe sur la chaîne JTBC. Et c'est parti, donc je vais découvrir cette première performance maintenant. Go! Oh, et ce serre-tête me fait mal. C'est moi votre cadeau. Et si on mettait un peu plus fort? Voilà. Ouh, ça j'aime beaucoup ça. Oh, oh, c'est joli. Oh. C'est pas une chanson d'un OST d'un drama connu, ça, il me semble. Je sais c'est quoi la chanson. C'est la chanson de Lee, dont le membre décédé de Jonghyun a écrit cette chanson pour Lee. C'est une magnifique chanson. Cette chanson est tellement significative en fait. Je
Alors, laissez-moi me remettre de mes émotions. Pour ceux qui ne connaissent pas spécialement cette chanson, c'est une chanson de Lee, comme je disais durant ma réaction, qui a été écrite par Jonghyun, le membre décédé des SHINee. Et pour moi, ça a tellement de signification, cette chanson, de part déjà dehors, elle est sublime, les paroles sont magnifiques, Lee l'interprète magnifiquement bien, c'était une des amies de Jonghyun. Et quand Jonghyun a mis fin à ses jours il y a quelques années, d'ailleurs il n'y a pas ce mois-ci, c'était son... on ne peut pas dire que c'est un anniversaire de décès, mais ça faisait quelques fois. Soit, j'ai l'impression comme si j'avais perdu un membre de ma famille, tu vois. Parce que c'était un artiste qui était complet, qui était magnifique, et tu voyais dans ses solos qu'il souffrait, surtout dans ses paroles et tout. Et je me souviens, l'année de son décès, t'avais Lee qui a chanté cette chanson en commémoration, tout simplement en hommage pour lui, et elle avait pleuré sur cette scène, et ça te fait remémorer tous des souvenirs. Et je suivais SHINee, enfin je suis SHINee depuis leur tout début, et on les a vus grandir à travers écran. J'ai jamais eu l'occasion de les voir en concert encore, mais c'est une chanson tellement magnifique, et ça te fait remémorer des souvenirs. Et son décès, même après autant de temps, me fait encore de la peine. Même en vous parlant là maintenant, j'ai les larmes qui reviennent aux yeux. Et cette performance faite par la poème était juste magnifique. C'était, je trouve, un hommage sublime. Ils l'ont interprété d'une belle manière, et l'émotion était au rendez-vous. Même le public, le panel avait l'émotion, on voyait l'émotion sur leur visage, également les membres de la poème, et j'ai craqué. Voilà, moi la musique c'est un tout, comme vous le savez, mais je peux être très heureuse comme je peux être très triste. J'ai l'impression que toutes les émotions me traversent à chaque fois dès que les premières secondes commencent, et là c'était le cas. Et il faut que je me remette de mes émotions pour les trois autres suggestions que je vais vous montrer, parce que là ça va déjà très fort pour les émotions, désolée. Mais d'un côté non, parce que voilà, je suis humaine comme tout le monde, et son décès me touche encore énormément, alors que ça va faire 4-5 ans déjà. Ouais, voilà. Donc pour cette deuxième suggestion, c'est au live concert sur KBS qui a eu lieu en 2020, et c'est parti. Donc je vais découvrir cette performance de la poème maintenant. Go. Thank you.
sais pas trop de quoi la chanson parle, mais on dirait que ça parle de quelqu'un qui part et qui part pour une nouvelle vie. Parce que tu vois vraiment le décor derrière et tu vois une personne avec des valises. Il y a beaucoup d'émotions qui traversent son visage. L'émotion sûrement de voir leur public sur écran. Je suppose que c'est par rapport à tout ce qui s'est passé aussi durant l'année 2020, encore avec une fois la pandémie. Ça va être sûrement une spéciale performance pour les fêtes de fin d'année, me semble. Ça y ressemble en tout cas. Il m'éblouit par ses émotions. Je ne sais pas comment il s'appelle parce que je ne me renseigne pas tout le temps sur les noms des artistes, mais il me bouleverse avec juste l'émotion dans son regard. Il me bouleverse, cet homme. Je trouve qu'il est beaucoup plus bouleversant que les trois autres, même si eux, l'émotion est dans leur voix, même les expressions et tout. Mais lui, vraiment, au niveau des expressions faciales, message d'espoir, message de soutien. Comme Samida. Eh bien, cette deuxième performance m'a aussi émue parce que tu voyais qu'il y avait beaucoup de messages, de porteurs d'espoir par rapport à tout ce que la société actuelle, le monde, hein, le peuple subissent à cause de cette pandémie mondiale. Il y a vraiment un des membres, il faudrait que j'aille voir comment il s'appelle, mais il m'éblouit vraiment par ses expressions et surtout l'émotion qu'il y a dans ses yeux. T'as l'impression de te noyer dans son regard, c'est vraiment incroyable. Encore une belle coordination, une très très belle performance, émouvante quand même, même si la première était beaucoup plus émouvante pour ma part, mais j'ai encore passé un excellent moment en leur compagnie. Pour la troisième suggestion de ma vidéo, j'ai tout simplement décidé de réagir à une de leurs performances au Golden Disc Award du début janvier 2021 sur le titre Amigos para Siempre. Siempre. Amigos para Siempre. Oh, désolée. Désolée pour vos oreilles. Si vous voulez pas m'entendre parler et dire les titres des... Non. Bouchez vos oreilles. C'est parti, donc j'ai découvert cette performance maintenant. Cool. Il y a toutes des lumières à la place du public, on dirait. Oh, super beau avec cette lune et ces nuages. Lui, je te jure, il m'a... Sa voix est exceptionnelle aussi, hein. Siempre, oh, j'arrive pas à le prononcer.
Dans ma tête, oui, mais pas en vocal, là. Oh, magnifique. Leur combinaison de voix, c'est superbe. Très belle coordination, hein. Et bien encore une fois, une très très belle performance. J'ai passé encore un très bon moment en leur compagnie. J'ai beaucoup aimé le visuel au niveau des écrans, cette lune, puis toutes ces petites lumières dans le public pour remplacer le public. Ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors pour cette dernière suggestion de cette quadruple réaction, j'ai décidé de prendre une performance qui a lieu aux Immortal Song, mais en septembre 2020, sur le titre Star, Wind, Sunshine and Love, évidemment, performance faite par La Poème. Et c'est parti, donc je vais regarder ceci maintenant. Go! Lumières sont sympas. On dirait toutes des plantes comme ça avec des lumières, c'est joli. C'est un beau rose comme costume, j'aime bien. Tell me something.
J'avoue que cette chanson me dit quelque chose par contre. Ce que j'aime beaucoup avec la poème, c'est qu'ils ont une voix de ténor ou très dans les aigus, vraiment vraiment des bons choristes, tu vois. Mais ils peuvent chanter aussi normalement. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je suis pas une spécialiste non plus, hein. Ils ont vraiment des voix de tête, mais en même temps, ils peuvent chanter normalement. C'est pas très compréhensible ce que je dis. Alors, encore une fois, c'était une excellente performance. Elle m'a vraiment touchée également. J'ai beaucoup aimé tout ce qui était autour, même sur le sol. Franchement, merci à toutes les personnes qui gravitent autour des artistes parce que vous faites vraiment un travail exceptionnel, pardon. Que ce soit les musiciens, les metteurs en scène, tout simplement ceux qui gèrent les sons, les images. Franchement, bravo à vous.
Des 15 performances, je vais pas vous mentir, j'ai été complètement mais bouleversée, chamboulée, c'est durant leur première performance. Mais les 4 se valent, mais je dirais par ordre de préférence, je dirais la première, puis la dernière, la troisième et la deuxième. Voilà mon classement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires mais laquelle de ces 4 performances vous avez kiffé. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme je disais, laquelle performance vous avez préférée des 4 suggestions que je vous ai tout simplement montrées. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous aimez la poème tout comme moi. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve à très très vite pour une prochaine vidéo en 2022, une nouvelle année commence, une nouvelle aventure avec vous. J'espère que vous aurez passé une très très bonne soirée avec vos proches, vos amis, que vous avez fait la fête. Espérons que cette année 2022 sera un peu meilleure que les années précédentes avec cette pandémie, mais j'ai l'impression que ça va pas se finir. Peut-être si un jour, mais l'année prochaine ça risque d'être encore le bordel quand on voit toutes les manifestations, les gens qui se révoltent, et je peux tout à fait le comprendre et le concevoir, mais j'espère qu'on sera quand même toujours là à se soutenir mutuellement, à faire front et face à cette pandémie, parce que la meilleure solution, c'est d'être unis tout simplement face à tout ce qui se passe. Et voilà, donc j'espère quand même que vous êtes amusés pendant votre soirée de la nouvelle année. Voilà, au revoir, bye bye, c'est Leonora. Et encore une très 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 bonne année. Mouah!